il s'est appuyé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dieu a déployé sa toute puissance sur Christ en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Pas seulement dans le siècle présent, mais aussi et surtout dans le siècle à venir. Bien des gens pensent que pour être sauvé, guéri, restauré ou même avoir la bonne santé, c'est possible passant par un autre nom. Non. Mais pour nous qui croyons, nous savons que nous sommes sauvés, restaurés par le seul nom de Jésus. Le seul nom de Jésus. Le seul nom de Jésus. Le seul qui nous donne la capacité d'appeler Dieu notre Abba Père. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de toutes choses, afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au seul nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que seul Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Tout.
Jésus. Peux-tu crier le nom de Jésus, Jésus? Peux-tu le faire plus fort, Jésus? Peux-tu le faire plus fort, Jésus? En son nom, nous sommes guéris. En son nom, nous sommes libérés. En son nom, nous avons le salut. En son nom, les démons partent. En son nom, les miracles se font. En son nom, les grandes choses se font. Est-ce que tu peux prier le nom de Jésus? Le nom de Jésus. La Bible déclare, il lui a été donné un nom au-dessus de tout autre nom. Devant ce nom, tout genou fléchit. Ta maladie fléchit ce soir. Ta malédiction fléchit ce soir. La sorcellerie fléchit ce soir. Tes ennemis fléchissent ce soir. Devant le nom de Jésus. 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 La personne qui est à côté de toi, ton problème fléchira ce soir devant le nom de Jésus.